Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de votre mâchoire. Pourquoi votre mâchoire? Parce que c'est vrai que c'est assez fréquent qu'on me décrive des douleurs à ce niveau-là, au niveau de votre articulation, au niveau de l'angle formé par votre mandibule. Parce qu'on peut, devant une position, devant un écran prolongé au bureau ou en télétravail, avec l'accommodation du regard par rapport à l'écran, la concentration, le stress dû à la situation ambiante, on peut facilement en fait contracter un petit peu sa mâchoire et la garder sous tension de façon un petit peu prolongée, ce qui peut provoquer les douleurs que vous pouvez ressentir assez fréquemment. Donc là aujourd'hui, je vais vous montrer un petit exercice de massage sur deux muscles principaux qui s'appellent le masséter et le muscle temporal. Sur ces deux muscles-là, pourquoi? Parce qu'ils sont facilement repérables, assez superficiels. Donc du coup, en massant ces deux muscles-là, vous allez pouvoir soulager une bonne partie des douleurs et des tensions musculaires que vous pouvez avoir sur cette mâchoire. Alors, le muscle masséter, c'est très simple, il s'insère au niveau de l'angle de votre mandibule et il a un trajet vers le haut au niveau du crâne, au niveau de l'os temporal et de la l'apophyse zygomatique. Si on prend mes deux doigts, il a à peu près ce trajet comme ceci. Le muscle temporal, lui, en fait, il s'insère sur la fosse temporale comme ceci et il se dirige vers le bas et va croiser le muscle masséter. Il travaille donc en synergie et tous les deux, ils ont un rôle, en fait, de fermeture de la mâchoire. Donc pour le repérer, en fait, ce muscle masséter, vous allez serrer la mâchoire et vous allez voir que vous allez sentir des petites saillies qui vont dépasser sur le côté. C'est le muscle qui se contracte. Donc avec votre index, pardon, et votre majeur, vous les placez sur le muscle masséter et vous massez. Voilà, comme ceci, tranquillement. Sur les endroits, en suivant bien sûr le trajet du muscle, sur les endroits où ça vous paraît un petit peu plus sensible, vous n'hésitez pas à insister légèrement, à appuyer un petit peu plus fort, mais sans y rester trop longtemps. Essayez de déplacer, si vous le pouvez, assez fréquemment vos doigts. Et si vous perdez le muscle un petit peu à la palpation, n'hésitez pas à fermer la mâchoire, voilà, pour le repérer et sentir sa contraction. Vous pouvez aussi faire un petit peu différemment, c'est-à-dire que c'est prendre votre majeur ou toujours votre index, repérer le muscle et contracter le muscle pendant 5 secondes. Une fois que vous faites ça, vous appuyez avec vos index comme ceci, toujours en direction du muscle pour le soulager. Ça peut être un petit peu sensible. Donc si vous sentez que ça vous fait trop mal ou que c'est un peu trop compliqué à réaliser, vous ne le faites pas. Pour ce qui est du muscle temporal, c'est exactement la même chose. Vous allez vous placer donc dans la fosse temporale. Vous pouvez aussi serrer les dents pour repérer le muscle et vous masser. Vous pouvez même fermer un petit peu les yeux. C'est agréable des fois quand il n'y a pas trop de tension. Et on masse comme ceci, tout le long de la fosse temporale. Voilà, donc ce petit massage du muscle temporal et du muscle masséter va vous aider à faire disparaître ou au moins atténuer certaines tensions, ce qui n'empêche pas que si les tensions perdurent trop ou que les exercices ne suffisent pas, que vous consultez un spécialiste qui vous dira quoi faire à ce sujet-là. Demain, on reparlera aussi de la mâchoire et je vous montrerai des petits exercices de mobilité qui pourront vous aider justement à rendre votre articulation un petit peu plus mobile et avoir des amplitudes un petit peu plus amples. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé. Si vous connaissez des gens qui sont victimes de ce genre de symptômes, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que ça puisse les aider un petit peu. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire aussi si vous-même vous avez été victime de ce genre de symptômes et comment vous avez fait pour les gérer. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre page YouTube pour plus de vidéos et plus d'explications. Et surtout, surtout, prenez soin de vous.